Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on est le lendemain de hier. Hier on était sur circuit. Et aujourd'hui on est chez Securitest. Non, je déconne. On est chez Covering Warzone. A votre avis, pourquoi qu'on est chez Covering Warzone? Bah je crois qu'il est temps que elle change de gueule. Donc bah ils vont s'occuper de ça. Donc là on est lundi, je la récupère jeudi. Fin d'après-midi, début de soirée, avec sa nouvelle robe. Il devrait être bien sympa. Et en plus, Tito va être super content parce que je l'ai fait faire deux fois quelque chose à la GoPro et il sera heureux d'apprendre que les deux fois ça n'a pas marché. Ah, cool. Il faut recommencer. Donc la prochaine fois, je recommencerai pour la moto. Oh, parce que bien sûr, une voiture, c'est pas plus simple. C'est qu'il y a moins de formes bizarres, je pense. Donc c'est plus facile d'avoir les blueprints des voitures ou les formes des voitures pour cover qu'une moto. Ça, on a plus en stock, enfin les blueprints gabarits pour les voitures, on a pas mal de choses en stock, alors que les motos c'est vraiment plus spécifique. Et y a pas chaque moto a une forme à la con, si vous avez un poli, vous allez encore avoir une autre forme, etc. Donc là, c'est plus compliqué, et donc on y reviendra sur la vidéo de la moto. Mais donc en attendant, bah... Elle est là la grosse. Il n'y a plus qu'à frapper. Ils sont impatients en plus, parce qu'il fait pas chaud, et donc c'est super de poser du film quand il fait pas chaud. Petit RS3. Petite Clio de pizza en plus. Donc ils font de tout. Faire de la vitre teintée, du déchromage, du cover. Celle-ci, ça va être un full rouge mat. De la voiture publicitaire, de la moto. Donc si vous avez besoin, bah, ça va s'afficher là normalement. Je crois que c'est par là ou par là. Je sais plus où il le met. Enfin bref. Et nous, on y revient dans 3 jours. 3 jours et demi à peu près, hein. 3 et demi comme ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, donc comme vous l'avez vu, elle a roulé, mais elle chauffe beaucoup. Donc aujourd'hui, on est vendredi, demain il y a le Zec Nova Day. J'aurais pas reçu mes solutions pour qu'elle chauffe moins, donc je bricole quelque chose. Et on a même Joe White qui s'est reconverti, qui est nettoyeur de jantes officiellement. Non. Et puis, donc vous avez vu, je l'ai emmené à la déco. Mais elle n'a pas vraiment la déco. Parce que le top galère poursuit la voiture, je pense. Enfin, nos voitures. J'ai descendu mon radiateur, mon échangeur RO, pour laisser plus d'air passer dans le radiateur d'huile. Et je l'ai décalé aussi, qu'il y ait plus d'air qui puisse passer. C'est pas énorme, mais ce sera en attendant d'avoir le radiateur d'huile plus gros, de le mettre là, de ce côté-là tout seul, alors pas sur Joe White, hein, mais à côté. Et voilà, et voir ce que ça donne comme ça. Mais en attendant, pour ce week-end, on va faire ça. Et on va renettoyer le circuit d'eau et le re-remplir à l'eau de déminéralisation. Allez, c'est parti. Bon, les amis, elle est prête. Elle est toute prête pour demain, pour le Zec Nova Day. Joe White est déjà là, Joe Black va nous rejoindre. On a modifié un peu l'avant. Et je pense aussi, je viens d'aller faire un petit tour avec, je pense aussi que j'avais mal purgé le radiateur. On va voir, mais là, le petit tour que j'ai fait, j'ai mis 2-3 charges en 3-4. Elle n'est pas passée au-dessus de 85 degrés d'eau. Elle redescendait vite. Donc, écoutez, on verra demain. Hein. Mais en tout cas, après, je suis pas sûr que ce soit juste la petite arrivée d'air en plus qui lui fasse... Ouais, peut-être. Pas ça qui va changer, oh, quoique. On verra demain dans tous les cas. C'est pareil, j'ai mis de l'eau déminéralisée et pas de l'eau normale, qui est mieux. Donc là, on va chercher de l'éthanol, on va bouffer, et après, on charge et on se cassera. Non, c'est pas ça. Allez, vamos. Hey! Oh, c'est zoomé! Qui est zoomé? C'est lui qui a zoomé là. Vas-y, fais le malin!
Ces bras, c'est des cotons-tiges. Bon, on est arrivé à... C'est où qu'on est ? À Joigny. Moi, je suis déjà posé. Il y a le karting là-bas. Alors, vous verrez pas. Ils sont où ? Ah si, ils sont là. Alors là, on a... Ah, c'est flou. Ah, voilà, ça floute dès que ça va sur lui. Si vous suivez le CFD, vous allez reconnaître un petit peu. Bon, c'est beaucoup flou, là. Attends, hop, hop. Voilà. Monsieur Sébastien, photographe du CFD, qui est là. Bref, on arrête les flous des flous. Donc demain, journée Zec Nova Day. On va voir si... Bon, elle va chauffer encore, c'est sûr. On va voir si elle va casser. Et on a aussi le monsieur de chez Kiloutou. Ah non, Kenol. Donc ce qu'il y a dans la grosse. Qui, bah, l'huile, les fluides, enfin tout ce qui est fluide, voilà. Tout ce qui est fluide, automobile, je parle, c'est dedans. Donc bah, il y a des copains là-bas aussi. Ils sont au fond, ils sont cachés là-bas, ils sont là-bas. Là. Vous les voyez pas beaucoup, mais ils sont là-bas. Et c'est des jouets sympas, on ira les filmer aussi. Je m'incruste, moment promo, n'oubliez pas, on a un site internet, kenol.belgium.bigcartel.com. Allez y faire un tour, il y a des promos avec les Switch Riders. Et voilà, placement, boum. Ah, parce qu'après, il me donne 10 000 pour ça, c'est pour ça. Non, donc on verra si ça casse, si ça casse pas. Joe Black envoie des messages à sa femme. Joe White envoie des messages à sa femme, à sa sœur, donc c'est oh, pareil. Oh, l'enculé, mais ferme-le. Voilà. Bon, ouais, nous, on va aller peut-être faire un petit tour de karting, histoire d'eux, en attendant. Puis on va aller voir les gens qui nous accueillent aussi. Ça peut être sympa. À tout à l'heure. Bon, on va juste faire un petit tour, parce que vu que c'est un circuit qui a pas personne à glisser depuis longtemps, à voir les zones de danger, on va dire, et les repérer, les marquer. Donc, je pense même pas qu'on glisse, mais au moins ça fait rouler la caisse. Ça sera mieux en tout cas. On a tout mangé l'essence. Ça va pas, on a pas vérifié l'essence. Ah mais je crois qu'on en avait remis... On avait remis l'autre jour. C'était peut-être ça, hein. Non, c'est deux fois, hein. Deux fois que l'essence. Comment pas d'essence avec. T'as mis une jauge, un truc, mec, hein. Ouais, tu passes, quoi. Je vais vérifier, quand même. Ouais.
Après, à voir si on ne peut pas repasser, après ça fait pas partir tout. Ah, c'est la première fois que j'ai une voiture qui fait de la fumée. C'est marrant. Tu vois les photos, ah, t'as pu, ça accélère et tout, c'est marrant. T'as un virage, oh, ça reprend la vitesse. C'est fou. C'est que la troisième fois que je roule avec. Hein. Alors, j'essaie de m'habituer à l'auto, ça fait bizarre. Ça s'appelle la puissance. T'sais, avant, quand tu glissais, tu voyais que t'étais trop loin, bah tu coupais en espérant gripper. Là, quand tu vois que t'es trop loin, hop, hop, ça ah, c'est marrant, ça marche. Ils zooment bien l'objectif. Hein. Ouais. Ils zooment plus que bien là, l'objectif. T'as vu la fumée derrière, c'est toi. C'est vrai? Ouais, c'est toi. Ah, j'ai regardé, évidemment, je voyais de la fumée derrière, j'étais comme les grands. Ouais, je deviens un drifter. Ouais, bah, regarde-moi ça. Regarde, t'as vu, elle est belle. Hein. Oh, putain, ah, celle-là, elle est belle. Ah, celle-là, elle est belle. Regarde, t'as fumé là. Ah, oui. C'est son auto, hein. Ah, c'est bon, ça. Ah, bah, elle a pas cassé encore. Hein. Encore. Il a fait de la fumée, le gars. Il pourrait sauter partout, il le ferait. Ah, non, je l'ai mangé, l'auto, la troisième. Bon, quatrième, ça va ouais, pouvoir arriver plus. C'était en 3 là? Bah, ouais, ça va, ça, je sais pas, j'ai ça l'impression. Ça reprend en 3, c'est ce hop, ça reprend tranquille en 3. Ça, c'est bon. Mais ouais, le pif-paf là-bas. Et j'ai, on n'a pas fait la zone du fond encore, on a fait que dedans. Non, mais quand tu reviens là, ça te fait un petit pif-paf. Tu peux arriver un peu vite dedans déjà. Tu peux pif-paf. Bonjour tout le monde, il est 7h40, on devait être au circuit à 7h30 et comme d'habitude, on est en retard. La faute de Jules. Eh oui, c'est de la faute de Jules. Par contre, on voit que Zach Nova, ils ont la caillasse. Hein. Ah, ah, le gîte qu'on avait là. La S14, Mika, il en a fait un truc sympa, un théma. Ah putain. Eh, il est pas allé au Portugal exprès pour être avec nous. Franchement, Mika, c'est cool. Elle claque. On va lui demander son avis quand même sur ce sujet-là. Bah, les gens ont une question. Donc vous me demandiez où était la S14 de Mika. T'es sérieux? Là, elle est en transit pour le Japon. On hésitait entre le Japon puis l'Amazonie, en fait, mais ce sera Japon. Non, mais merde, quoi, voilà. À quelques heures près, elle sera pas là, ma foi. Bon, une fois de plus, bah, on attend le mec de chez Zach Nova. Ah ouais, faut pas que je dise de conneries, là, parce qu'après, il va m'engueuler. Voilà, c'est génial. Jules ! Ouais ! Voilà. Alors, vous allez demander pourquoi on est en retard. Alors, ton nouvel album, ça se prépare. Bonjour. Bien? Ouais, c'est pas mal. Disque de platine? Ouais, exactement, ouais. 1 million de ventes. On est là. Prends quelques affaires, juste. On
Allez. Et ici, nous avons l'étoile montante repérée en 2019. Thomas Fouillade. Et sa femme, sa compagne. Oh, il a repéré en 2019, il est vache. Bah, moi, je l'ai connu en 2019. Moi, je l'ai repéré en 2017. Déjà. Moi, je l'ai repéré en 2019 parce que je roulais avec les petits, lui, il roulait avec les grands et il nous a sorti des trucs. Donc voilà. Bon, on peut y aller un jour ? On y va. Ah, ça y est, ça fume dès le matin. Voilà. On y va. Voilà, les jeunes. De toute façon, à part fumer du shit et... Mais pourquoi tu sais à ta caméra ? On va jamais rien en faire. Pourquoi ? Hein ? Faire quoi avec ? Ben, on va le mettre. Bon, le problème, c'est que c'est pas moi qui monte, donc je peux pas choisir ce qui est mis dedans. Mm. À mon avis... À l'endroit, la supercarte. Electro. Non, c'est le truc pour acheter du thé froid. Le thé froid de la Migros, putain, tu connais pas ? Non. Si, je vois une vidéo, mais... Oh, il connaît pas... C'est la supercarte, mais c'est la coque. Il connaît pas le thé froid... Ah ouais, c'est pas le même. C'est pas le même, c'est pas le même. C'est comme si j'avais 10 pour aller à Carrefour, en fait, c'est Leclerc. Mais ça t'excuse pas, hein. C'est impardonnable de pas connaître. Mais quand t'es pas suisse, c'est pas assez normal. Mais lui, il connaît, hein. ça y est, on les perd déjà. La journée a pas commencé, on les a déjà perdus. Oh lolo. Je t'ai dit hier qu'il y avait un petit accrochage vers la porte. Ouais. Ah mais t'as fini ta caisse. Bah regarde. Du coup aujourd'hui tu fais une bielle. Ah tu peux l'essayer. Oh le salaud. C'est quoi dedans, un servin? Ouais. Non tu l'essayes pas, tu. Il y a un servin dedans, sais que tu peux pas. Mais tu sais que mettre à côté de moi, t'es con hein. Ouais, j'avoue que déjà. Est-ce que toi aussi t'as perdu de bielle? Je sais pas si c'est moi qui suis con. Mais attends, c'est du gars. Attends, chance. Je viens de lui refiler des pièces, t'imagines? Des pièces du servin? Oui. Machallah. C'est vraiment un pote en carton. C'est peut-être des anciennes à moi, fais gaffe. Non, là c'est du 100 à l'huile. C'était un truc bien, ça, c'est un collecteur. Il est forgé? Ouais, maintenant, ouais. Ah, c'est bon, ça tient 300 chevaux. Maintenant, moi je fais 420 là. Non, mais en vrai. En vrai, pas sur un banc suisse. C'est bon, ça tient. Non, ouais, c'est 420 là, en vrai. Elle va bien. J'ai une demi-molle. Quoi? C'est de la mire. Enfin, c'est moi que je les ai fait, hein. La peinture, elle est mal. Tu sais pourquoi je mets ça? C'est pas, je sais pas. C'est un hommage. C'est un hommage. Allez, on bouge son cul, on va au briefing, allez. C'est vrai d'avoir donné ta main, mais on n'a pas le programme. Okay. C'est pour refroidir un peu. Attends, mais j'ai une idée en fait. Yeah.
Il a le démon sur l'appareil. Bah tu m'étonnes, t'as juste régalé là. Bon bah on va voir les copains rouler parce que je sais plus si je l'ai dit à quelle caméra ou quand comment, mais pour faire simple j'ai fait des coussinets au moins, donc voilà, au moins c'est dit, c'est fait, hein. On en parlera après. Voilà. Donc on va regarder Tchouf faire un joint de culasse maintenant. J'espère pas, mais c'est, en gros c'est ça. Ça puait quand même. C'est bizarre. Elle a pas l'air de pisser l'eau là. Voilà. Et c'est un clap de fin, un peu pour le tournage pour moi.